Hello, here is the Queen, Elizabeth II. Every morning after my tea in the garden, I listen to the zoo. Alors ici Gilles Parent, direct de l'aéroport de Sainte-Foy. C'est la grande soirée. On attend toujours l'arrivée de Pierre Harvey. Les gens sont anxieux. Tout le monde ne parle que de ça ici. C'est notre nouveau héros national. Et si vous le voulez bien, on va aller rencontrer les gens ici qui sont très nombreux. On va leur demander leurs impressions. Monsieur, monsieur. Mm-hmm. Monsieur, parlez-moi donc de Pierre Harvey. Ah, moi, j'ai bien connu Pierre. Et je peux vous dire qu'à ses débuts, Pierre envisageait sérieusement de faire carrière au hockey professionnel. Ah oui, au hockey professionnel. Ah oui, mais il y avait un problème majeur. Oui, c'était quoi? Ah, il pouvait pas rentrer sur le banc des joueurs avec ses skis. Merci beaucoup, monsieur. Et vous, approchez-vous, s'il vous plaît. Oui, mon cher monsieur, je suis contre ça, de ce qu'ils font au prix que ça coûte cher, ces affaires-là. Voyons donc, monsieur. Dans notre temps, nous autres, on prenait des planches de Barry, on s'attachait ça au pied avec la corde de Rambon. Monsieur, c'est quoi le rapport avec l'arrivée de Pierre Harvey? Qui c'est qui paye pour lui, Harvey, vous pensez? C'est le gouvernement, monsieur, c'est nous autres encore qui payent les poissons. Merci beaucoup. Vous savez, le zoo a toujours appuyé Pierre Harvey. On était là, ici, à l'aéroport, quand Pierre est parti pour son grand périple en Europe. Personne, à ce moment-là, savait qu'il gagnerait, mais nous, on savait. D'ailleurs, on va vous faire entendre un reportage que le zoo a réalisé à cette époque-là. Alors, je pense que c'est très éloquent pour tout le monde. Madame, madame, pouvez-vous vous approcher, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pensez, vous, du phénomène Pierre Harvey? Bien que c'est! Ils l'ont encore déterré! Alors, oh, mais c'est l'avion qui approche, alors Pierre Mon Harvey... Mon cher monsieur, dans notre temps, nous autres, on marchait à pied. On n'avait pas d'avion. On prenait des planches de Barry, on s'attachait ça après un bras avec la corde de jambon, puis on sautait en bas de la grange. Ah, oui, non, avions, alors, Pierre Harvey, ça paraît être maintenant pénétré dans l'aéroport, c'est la folie ici. Quand on dit que Pierre Harvey est un pro, il s'entraîne 24 heures sur 24, on en a la preuve. Il a tenu à conserver ses skis avec lui aujourd'hui. Pierre, c'est Gilles Parent du Zoo 93. Bonjour et félicitations pour tes exploits. Est-ce que tu es surpris de voir tant de monde et tant de journalistes ici? Merci beaucoup, Pierre. Ça a l'air qu'il y a des gens ici dans la région de Québec qui veulent construire un anneau de neige pour toi. Est-ce que tu es content de ça? Alors, Pierre, le zoo aimerait savoir, est-ce que tu as trouvé ça long, le voyage? Je pense tout, ça a bien été. Hey, les gars, Risto Sitanel vient de sortir des toilettes. Dévisage, j'ai un scoop! Et vive le sport amateur!